Il est un peu après-midi, je commence ma pause de télétravail et je fais l'ouverture de ce blog avec mon DP, le dernier DP Oraloa que j'ai terminé hier soir. Donc c'est un. Je regarde la taille. 50 sur 70 cm en carré avec quelques abbés, une toile d'Oraloa. Vous voyez, c'est un saxophoniste. Voilà. Il m'a pris à peu près 2 mois pour le faire. J'ai pris mon temps. Et puis là, je vais vous montrer. Hop. Là, je vais commencer du coup, comme je fais une toile qui était assez longue. Là, je vais faire une petite toile en diamants spéciaux. Je vais faire celle-là, voilà. Qui devrait être assez rapide parce qu'elle est partielle. Donc, il n'y a pas beaucoup de zones à diamanter. Voilà, ça fera une petite pause. Là, pendant 1 mois, je vais faire plutôt des petits DP, soit des diamants spéciaux, soit des DP d'action. Et après, je reprendrai une plus grande, une autre toile dans les tailles 50-70 à peu près, soit d'Oraloa, soit de diamant Dark Club. Voilà! À tout de suite où je vais vous montrer mes collants courts. Alors là, j'en ai plein. Mais je vous montrerai au prochain rush. À toutes. Je vous reprends pour ce vlog. Alors, nous sommes toujours le vendredi 8 mars. Il doit être pas loin de 19h. Et je vous prends pour mes collants courts. Alors, j'ai collants courts. Alors, la boîte à bijoux. Donc celui-là, c'était le colo challenge coloriage en commun qui était dans ma liste. Et puis comme j'en ai profité pour même faire le même fond, ben, qui n'était pas prévu, je me suis dit, je vais faire parce que c'était pas très long, le serpent à côté. Alors là, il ne reste plus grand-chose à faire. À cette page, j'avais presque terminé. Et là aussi, alors, je pense pouvoir essayer de la finir ce soir. Après, j'ai un colo en cours qui aussi... Attendez. Qui est aussi bien avancé, c'est ma double page en seul mètre que je fais. Il y avait déjà Laurie qui faisait et Géraldine. Donc voilà, là aussi il est bien avancé. Là il me reste à faire parce que j'ai fait la peau là, le truc. Puis après je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le bras. Et là aussi il y a une partie de son corps à faire les diamants là, comment ça s'appelle? Bon, voilà, les pierres là. Là, faire là, les petits bijoux. Et le fond, sûrement un fond marin. Hein. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Pareil, ça serait une double page. Et après, ça fera deux doubles. Alors celui-là, je sais pas si je vais le finir ce week-end. Je vais voir parce qu'après, j'ai aussi celui-là. Qui est bien avancé dans le Thunderful enchantement. Donc, oui, il est bien avancé. Voilà, il y a celui-là aussi. Donc, ce soir, je vais essayer de finir la boîte à bijoux. Je vais voir, parce que, alors, demain, j'ai des courses à faire, j'ai des trucs. Demain soir, je suis invitée à un anniversaire. Et puis, dimanche, je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Voilà. Voilà les colos en cours. Donc, j'aimerais bien. Là, donc, ce soir, essayer de finir la boîte à bijoux. Peut-être avancer celui-là plutôt. Avancer celui-là demain. Et dimanche, pour le moment, je n'ai rien de prévu, mais je regarde des trucs de prévu. Et dimanche, voir aussi continuer celui-là. Donc je pense quand même d'ici là, courant la semaine, j'aurai fini tous ces colos en cours. Parce que je vous dis pas, je vous garantis pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc ça en fera déjà 5 de réaliser. Et on va prendre la pile à colorier. Pile à colorier. Hello. Tu vois la marque. C'est pas là. Voilà. Seul mètre, il est en cours. Je vais essayer de le finir. Thunderful, il est en cours. Boîte à bijoux, il est en cours, plus un. Donc, il me restera à faire mes colos, les arbicolos. Les deux arbicolos. Le Rhapsody Forest, tout ça. Et après, je me suis dit, parce que finalement, j'ai bien avancé, là.
Je me suis tiré une petite liste supplémentaire au cas où. Après, j'ai les colomystères à faire que j'aimerais bien faire. J'ai un trombinoscope qui est en cours. Il est où mon trombinoscope? Là. Ah. Voilà. Après, on commence à deviner le personnage. Voilà. Donc, ça serait bien aussi que j'arrive à le finir. Après, voilà, juste ce que je vais faire. Je vais finir mes en cours. Finir le trombinoscope. Peut-être faire un mystère. Et après, j'attaquerai Best of de saison de Rita Berman. Mes deux colos, je vais les faire en même temps. Zarbi. Et après, il m'en restera deux. Et après, je verrai. Alors, si jamais. Alors, je ne vais pas prendre le Fairy Touch of Magic. Si jamais j'ai fini ma liste. Je me suis pioché. Au cas où. Il est où? Ah non, le Twilight Garden, ça tombe bien, il y avait longtemps que je n'y suis pas allée. Ça serait. Je vous montre. Celui-là. C'est quoi? Une sorte de petit chevreuil, voilà, petite biche. Avec des fleurs, voilà. Et après, alors celui-là. Si jamais je le commence au mois de mars, je me donne jusqu'en juin pour finir parce que je me dis qu'il va prendre du temps. C'est celui-là. Vous voyez, du coup, hier, j'ai même essayé de faire la fleur. C'est la double page avec les chimpanzés. Voilà. Après, c'est vraiment les deux livres que j'ai pioché là. C'est pareil. Tu la gardes, ça faisait longtemps que je y allais et je suis contente d'avoir pioché Le Monde Fragile parce que. Je vous l'ai dit quand j'étais chez Géraldine, qui elle a fini le sien. C'est un livre que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau. Même si parfois, c'est le livre de Kirby qui me fait le plus peur. Parce qu'on est un peu dans la réalité et tout. Bon, sauf peut-être là, mais voilà. Là, c'est vrai que. On n'a pas trop envie, sur la thématique de ce livre, de faire trop de fantaisie. Parce que, comme je vous dis, j'aime beaucoup la thématique de ce livre. Parce que c'est beaucoup d'espèces, de variétés d'espèces d'animaux. D'espèces, oui, quand je dis d'espèces, dans le sens variété d'animaux. Que ce soit des oiseaux, des insectes, des mammifères, des poissons qui sont en train de disparaître. Et par là, notre faute, hein, qui eux n'ont rien demandé. Et qui en subissent les conséquences. Voilà, j'aime bien cette double page. Voilà, je vous montre. Après, je pense que beaucoup. Voilà, après, voilà, c'est des colos. J'adore cette double page, mais j'ai peur de. Voilà. Monde fragile, ça me fait un peu peur parce un peu peur. J'ai envie de rester dans le réalisme, mais parfois je vois pas comment je pourrais tout ce qui est. Vous voyez, là, celui-là, j'en ai vu des. Faut que je regarde, m'inspire. Là, celui-là, cet ours polaire, j'en ai vu des versions, mais faut que je voie comment je pourrais faire, quitte à m'inspirer de ce que j'ai déjà vu. Quitte à citer les personnes qui ont fait ces colos pour pouvoir. Celui-là aussi, on l'a beaucoup vu. Hein. Après, techniquement, une fois qu'on a trouvé le petit truc, comment on va le faire, Kirby Rosen n'est pas si compliqué que ça parce que. Vous voyez. Comment vous dire là, par exemple, faire l'effet poil. Faire des effets poils dans du café, il a pas mal assuré tout ça, il aide, vous voyez, il aide beaucoup, il nous aide beaucoup, y compris aussi pour ombrer, vous voyez, tout cela pour ombrer, ça, il aide beaucoup. Celui-là, j'aime bien ça, c'est. Ça aussi, c'est quoi là, là? Voilà. Bon. Je vous montre mes quelques colos, j'en ai pas fait beaucoup, je vais vous les montrer. Je les sors pas souvent, alors j'en profite. Les grenouilles, il y en a beaucoup qui les ont faites. Là, les grenouilles, j'ai fait double page
Papillon et ça, c'était un coloris ensemble de Zazou. Du coup, je l'avais suivi pour faire le papillon. Je crois que les fleurs, mais après le reste, j'ai fait un peu à ma sauce. Du coup, après, j'ai fait là. Alors là, le fond n'est pas génial. Et après, j'ai fait. Ben, je vous ai montré là, cette double pas. Ça, c'est un de mes premiers colos que j'ai fait dans ce livre. J'aime beaucoup. Le tigre, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Le tigre et les rhinocéros. Ça aussi, c'est. Le destin des rhinocéros, c'est un peu dramatique aussi. Et après, comme je vous ai montré, mon petit hamster. Une sorte de petit hamster et tout. Voilà. Allez. Voilà pour. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer pendant ce bloc? J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, hormis mes colos. Alors, on va peut-être essayer de faire un moment. Peut-être je vais essayer, question que vous me voyez un peu colorier. Peut-être voir si je trouve un tag à faire sur la chaîne, sur les autres chaînes, pour pouvoir. Voilà. Peut-être. Soit. Un tag que j'ai pas fait, soit reprendre des tags que j'ai déjà fait pour les nouvelles arrivants qui ne me connaissent pas trop et qui. Voilà. Je vais réfléchir, mais sur ce, moi je vais vous laisser pour ce soir et je vous reprendrai soit demain, soit à la fin du week-end. Comme ça, vous verrez si j'ai avancé. Mes colos, à toutes! Je vous reprends pour la poursuite de ce vlog. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas pris. Dernière fois que je vous ai pris, c'était vendredi ou samedi. Là, nous sommes mercredi 13 mars. Il doit être 14h cet après-midi. Je suis en congé. J'ai pris une petite après-midi. Parce que j'en avais besoin. J'étais un peu. J'ai un peu, je me suis pas encore remis. Samedi, j'ai fait la fête, j'ai fait une nuit blanche. Et je m'en suis pas encore remise. Donc, voilà. Je me suis dit, tiens, j'avais des jours à prendre. Donc, je me suis dit, j'ai pris mon après-midi. Et je vais vous montrer, c'est quand que je suis allée chez Action. Je suis allée chez Action samedi matin. Et chez Action, alors j'ai ramené. Du coup, on va faire des tests ensemble. Bon, j'ai pris autre chose, mais ça ne concerne pas le colo. Voilà, j'ai ramené. Voilà. J'ai pris une boîte de petites aquarelles box. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je crois que je l'ai vue sur YouTube. Il paraît qu'elle n'était pas trop mal. J'ai pris des white wax resist. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas très cher, je me suis dit. Alors, apparemment. Alors, on va voir. Qu'est-ce que c'est écrit? Set d'aquarelle avec réserve à la cire. Donc, c'est peut-être des sortes de néocolores. On va tester. Et puis, ça c'est pas vraiment du colo. J'ai pris des petits stickers. Alors, vous voyez, j'ai pris des trucs comme ça. Alors, ça, c'est des petits papillons. Je me dis, ça peut combler pour mettre dans des colos, ça peut être sympa. Là, il y a des sortes de petites fleurs pour les fonds. Là, c'est des petits ballons. Et puis là, c'est des grandes planches. Alors, je sais pas si je mettrai dans le colo. Ou pour autre chose, je verrai. Parce qu'après, dans le colo, ce qui m'intéresse, il faudrait que je voie. Parce qu'au bord de chaque sticker, il y a un petit contour blanc. Si on peut y colorier dessus, ou tout ça, pour l'atténuer pour les colos, ça pourrait faire. Voilà, déjà ça, on va le ranger. On va faire les tests. Alors, on va sortir. On va commencer. Alors, on va commencer par ça. Le wax résiste. Alors, comment ça s'ouvre là? Naturellement, comme d'habitude, j'ai rien préparé. Hein. Donc, j'ai quand même un ciseau pour ouvrir. Partez de la main. Ah, et après, je vous montrerai mes colos en cours. Il faut quand même faire comme d'habitude. Les colos en cours. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Ça se présente comme ça. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 craies. Un pinceau aquarellable. Un réservoir d'eau. Voilà.
Moi, j'en ai un qui est par là, qui est déjà tout prêt. On va prendre le petit carnet là. Et on va essayer de faire les tests. Alors, ça se pose là. Alors, je me dis... Voilà, ça se présente comme ça. Alors, on va tester. Je me dis, c'est peut-être comme les néocolores. Vous allez me dire si c'est comme les néocolores. Moi, j'en ai, mais ça peut permettre à certains qui n'ont pas les néocolores et qui n'ont pas les moyens d'avoir une petite base. Ça, vous allez voir. Après, bon, bah, il n'y en a pas... Il n'y en a que 11, hein. Donc, c'est sûr, mais ça peut faire une... C'est un peu moins, quand même moins cher que les néocolores. Moi, si c'est comme les néocolores, vous voyez, là, j'ai ma boîte de néocolores qui est sortie. Je les mettrai dedans, tout simplement. Tout simplement. Peut-être pas garder le truc. On va faire comme ça. Ce violet. Si vous voyez bien, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Là, c'est un blanc. Ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Non, pas le bout. Celui-là, par exemple. Et on va passer le blanc par-dessus. Voilà. Alors, on y va. Passons à réservoir d'eau. On va commencer à aquareller là. Alors, ça c'est aquarelle. Je pourrais tester sur un colo, mais en tout cas ça s'aquarelle très bien. Après, c'est pas aussi pétant que les néocolores, mais si ça s'aquarelle, ça s'étale. Faites voir. Hop. Après, c'est peut-être pas le meilleur papier. Hein. Regardez, ça fait comme ça. Ouais, ça fait le job. On va essayer là, le blanc. Voir si ça se mélange. On va voir si ça se mélange. Si on fait un dégradé, on va essayer avec le jaune et le... Voilà. Avec le blanc, ça fait moins bien. Après, j'ai pas le meilleur papier. Je vais peut-être essayer. Ouais. Alors, on essaiera sur d'autres papiers. Après, c'est assez pâle, hein, quand même. C'est pas... Après, pour faire des couleurs pastel, pourquoi pas. C'est pas aussi intense que les néocolores.
Après, je pense pas que j'ai le meilleur papier pour ça. Je suis en train de regarder si j'ai mieux comme papier. Après, je pense que oui, ça a l'air de faire le job sans problème. Après, je vais essayer sur un autre papier. Je pense que j'ai pas le meilleur papier. Vous voyez, ça fait comme ça. On va essayer sur un. Ah, mais deux. On va essayer sur le papier comme ça. Voyez. Voilà. Bon, ça fait le job. Ça ne donne pas un super effet, mais je vais essayer sur un autre papier. Ça, c'est du papier. Bon, c'est pas du 80 grammes, c'est du 90 grammes. Alors, ce qu'on va essayer, on va essayer de voir si ça se dégrade. Hop, là, j'ai l'orange. Hop. Et on va mettre avec le jaune. Ça se dégrade, mais sans plus. C'est pas les néocolores. Ça se dégrade pas hyper bien, quand même. Préparé, c'est pas le meilleur papier non plus que j'ai pris. On va attendre que ça sèche. Voilà. Je vais voir si je trouve mieux. Ouais. Regardez. C'est bien, mais bon, c'est pas les néocolores. Je pense que ça se dégrade très mal, par contre. Très très mal. Je pense que pour faire une base ou mettre en fond tout seul un truc très clair, ça pourrait être pas mal. Après, je reviens. On va essayer un truc. Je reviens. Oui, je vous reprends. Alors, j'avais repris le test, mais sans savoir réactiver la caméra. Donc, je vous remontre. Alors là, je l'ai fait, là, j'ai un petit lip test, que c'est un livre d'action que j'avais acheté il y a quelques années, mais jamais colorié, donc je m'en sers en livre test. Alors vous voyez, là, j'ai essayé de faire un dégradé, ça marche pas, le dégradé marche très mal. Après, j'ai essayé le rose, là, tout seul, il est très très bien, il est bien, mais très très pâle. Là, j'ai essayé le vert, c'est quoi? Turquoise, vert turquoise et tout, vert eau. Il est bien, mais très 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 clair. Là, en comparaison, je suis en train d'essayer avec un vert néocolore pour que vous voyez la comparaison. Alors, les néocolores sont beaucoup plus gras, donc beaucoup plus pigmentés, vous voyez. Alors, je me dis, ces petites craies d'action. Ces petites craies là d'action, ils sont pas mal, mais ils sont très. Alors on va essayer le rouge, peut-être moins clair. On va essayer le rouge en principe qui devrait être plus vif. Si ça fait aussi pastel, alors je me dis ça, on peut pas faire de dégradé, ce qui est dommage. Je me dis pour ceux qui ont pas trop les moyens, tout ça, s'ils veulent faire des fonds, des petits éléments à une seule couleur. Ça peut être pas mal, mais ouais, c'est quand même assez. Mais c'est pas. Ça s'aquarelle sans problème, ça, il n'y a pas de souci. Hop, ça fait pas. Ça va. Après, c'est pas aussi pétant que le néocolore. Voilà. Après, je me dis, pour débuter, pourquoi pas. Voilà. Donc, moi, je vais les mettre. Bon.
Est-ce que je les mets en vrac dans ma boîte? Je vais voir. Ouais, je vais les mettre dans la boîte parce que sinon, je ne vais jamais m'en servir. Alors, je vais la mettre dans ma boîte de néocolore. Après, je reconnais que ce n'est pas des néocolores. Hein. Si je ne les mets pas là, je ne vais jamais m'en servir. Voilà. Voilà. J'ai pas rangé le blanc. Voilà. Puis ça me fait du bazar en moins. Voilà. Après, on va... Petite palette aquarelle box. Alors, il y a 15 couleurs, inclus de métallique. Bon, j'en ai plein des métalliques. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, la palette. Elle se présente, voilà, comme ça, si vous voyez bien, voilà. C'est du plastique, hein, c'est pas du métallique, hein, c'est du plastique. Et nous avons un petit pinceau. Et là, voilà, les petits godets. Alors, attendez, voilà, comme ça, on va enlever là. Bon, on va y aller, et puis, alors, comment on va faire? On va essayer d'abord sur le carnet, puis on verra si on fait sur le colo. Allez. Hop. On va désactiver. Alors, je ne fais pas des tests professionnels. Hein. Juste pour voir comment ils sont pigmentés. Alors. Attendez, je vais aller chercher de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau et je reviens. Je vous reprends. J'ai activé en principe toutes les aquarelles. Donc là, on va essayer d'abord le jaune. Ah. C'est assez clair. Hein. On va essayer l'orange. On va essayer sur le papier. Ils sont assez clairs, mais je me dis pourquoi pas. Si ça peut être joli sur des fleurs, si on veut faire. Selon les fonds. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire celui-là. Ah, le rouge est pas mal. C'est du rouge vermillon orange. Pas mal celui-là. Pas bien celui-là. Hop. Après, nous avons. C'est plus clair. Est-ce que ça s'étale bien? Clair celui-là. Hop. Après, ça c'est de lavande. Ah. Pas si vous voyez bien là. On va attendre que ça sèche. Ah, j'ai pas le meilleur. Alors on va essayer sur l'autre papier après, on verra bien. Pas mal celui-là. J'aime bien. Après, bon, c'est pas des grosses palettes, mais bon, ça fait toujours un complément de couleur. Après. C'est pas, comme je dis, hein, c'est pas le meilleur papier. C'est là.
Ah, celui-là est sympa, celui-là. Cette couleur, elle est sympa. Après, il s'étale, hein? Pas de souci. Après, il y a des couleurs que vous voyez moins, parce qu'en plus, le papier est pas nickel. Regardez, ça s'étale, hein? Hop, le marron. Ça peut faire des pelages de renard, ça pourrait être sympa. Ouais, cool. Après, pas très foncé foncé, mais sympa. Hop, le doigt. Alors là, on tombe sur les couleurs métalliques. On voit pas grand-chose. J'ai fait là. Peut-être on verra mieux sur d'autres papiers. On va faire le test sur le livre. Là aussi, c'est censé être métallique. Côté métallique, je suis pas sûr qu'on voit bien. Légèrement, le bois c'est du métallique, mais je sais pas si vous voyez bien. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre le livre de colo. On va recommencer sur un autre papier, sur un papier de livre de colo. Après, mon petit dessin, on va reprendre sur le même dessin. Ça vous permet de voir ce qu'il n'avait pas vu chez Action, là, un temps. Alors, je crois qu'ils en refont encore. Ils font des colos un peu en airbag, des livres de colo. Ceux qui n'ont pas toujours des gros moyens pour s'acheter des livres, vous pouvez regarder chez Action. Ils ont des livres de ce genre. Alors, je cherche le colo que j'ai fait. Après, il y en a certains qui sont pas. Ça, c'est pas super comme colo, mais voilà. Ça, à la limite, celui-là, il n'est pas bien. Alors, on va reprendre. Le jaune. On va continuer la fleur là. Hop. On va regarder où jaune. Comment ça donne? Ça s'étale bien. Hop. Donc ça s'étale bien. Alors avec ces écluses métalliques qu'on n'a pas bien vu. Non, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Allez, on va essayer avec celui-là qu'on n'a pas bien vu tout à l'heure. Attends que ça sèche, à mon avis. Très clair celui-là. Bah, c'est du bien d'en mettre plus. On va faire sur deux feuilles pour bien l'étaler. Hop. On va essayer une autre couleur aussi qu'on ne voyait pas bien sur notre papier. Il est très très clair celui-là. On va essayer le lavande. Il est aussi très clair. Ah ben là on voit un peu mieux. On va attendre que ça sèche. Et après il y avait celui-là aussi que je voulais voir. Hop, cette couleur. Après, quelle couleur je pourrais me faire? Je pourrais faire celui-là.
On fait plusieurs tests. Celui-là est sympa, cette couleur. Hop. Voilà. Bon, elle est pas mal, cette petite palette. Ça fait des... Bon, c'est pas du intense, mais je me suis dit, ça peut faire un complément des autres couleurs de nos autres palettes. Et puis pareil, j'ai pas le prix, vous savez, maintenant, ils donnent plus les tickets. Alors, faut le demander. Là, j'ai pas demandé à... Alors, je devrais la demander pour vous guider. Mais bon, vous connaissez les prix d'action. Hein. Ah, celui-là, il est bien. Il est pas mal, celui-là. Il est bien rouge. Je sais pas si vous voyez... Bien, celui-là est bien rouge. Hop. Voilà. Ben voilà. Voilà les petits tests action. Voilà, voilà. Et puis, alors j'ai racheté aussi. Je vais vous montrer. Mais ça, ça pas. Après, je sais pas si vous les avez vus en test. Bon, j'y suis. Alors, attendez. Ça, non, c'est pas ça. Voilà, on ferme la petite palette. J'ai repris. C'est voilà, j'ai repris une boîte neuve parce que j'en avais. C'est pareil, c'est de l'aquarelle waterbrush métallique. Alors, celle-là, je les aime beaucoup. Alors, ce que vous voulez que j'entende. Je m'en sers déjà dans mes colos. Alors, j'ai racheté une boîte parce que je m'en sers beaucoup. Et je l'aime bien. Vous voyez. Nous avons du green, du turquoise. Je vais prendre ça. Vous verrez mieux parce que je ne suis pas sûre que je les ai remis. Alors, green, turquoise, bleu, purple, pink, black, bronze, gold, champagne, silver. Alors, ça, je les ai testés dans des colos déjà. Et je les aime beaucoup. Donc, allez-y, je crois qu'elles sont à 2,50€ ou je sais pas quoi. Et il y en a 10. Ouais, c'est que du métallique et ils sont pas mal. Voilà. Voilà. Ben voilà pour mon petit test. Et alors, les craies. Les craies à la cire, là. Un peu comme les néocolores, mais en plus clair. Qui ne. Par contre, ne se mélange pas pour les gradés. C'est pas nickel. Vous voyez, là, ça va être les craies d'action. Là, j'ai comparé, c'est des craies néocolores. Et après, alors, là, je suis en train de regarder le côté métallique de celle-là. C'est pas flagrant et en plus, c'est très clair. Les aquarelles, eh ben, elles sont pas mal. Elles sont pas hyper pigmentées, mais elles sont pas mal. Pareil, ça fait des compléments. Ah, par contre, ce rouge est très bien. C'est rouge vermillon, là. Ouais, ça fait un complément. C'est pas mal. Voilà. Après, ça reste du matériel action, donc il ne faut pas s'attendre. Mais ça fait le travail. Alors, je vais vous montrer mes colos en cours. Par rapport à... Je crois que c'est vendredi que je vous ai pris, ou samedi. Alors, j'ai fini mes colos dans la boîte à bijoux. Là, j'ai mon Thunderful Enchantement. Il avance, j'étais en train... Alors, je ne sais pas ce que ça avait donné. Je vais faire le fond dans les... Voilà, mes colors, c'est du quoi? Mauve. Je sais pas ce que ça fera, mais je suis pas inspirée par ce colo. Mais je l'ai tiré au sort et deux, ça me dérange pas parce que je vais finir le livre, donc il faut que je le fasse. Mais c'est pas le colo qui m'inspire le plus, donc je me dis si à la sortie il est pas nickel, c'est pas grave, mais il sera frais. Après, j'ai en cours Maria Troll. Alors j'en ai plus que deux en cours, non deux, trois, mais un que je me donne. Je me donne 2 mois pour le faire. Mon but, c'est pas de le finir maintenant. Je vais le faire... J'ai celui-là qui est en cours. Voilà, il en est là. Voilà. Et après, donc, coup, celui que je me laisse aller, on va dire, mai ou plus tard. J'avais dit juin au départ. On va dire mai ou plus tard. Après, peut-être, sera fini en avril. Voilà, mes chimpanzés. Parce que ça, c'est un colo voilà, que je fais en plus de ma pile à colorier. Parce que je voyais qu'elle avançait bien. Donc ça, c'est un... Voilà. Mais mon but, ce n'est pas le finir dans... Alors, si je le finis fin mars, pourquoi ça serait pas mal. Mais voilà, je me donne jusqu'au mois de mai, au plus tard.
Voilà. Voilà pour ce rush. Et puis, alors je sais pas combien de temps va faire ce vlog. Je vais voir si je vous fais un autre rush. Voilà, on va papoter. Je vais vous raconter un peu. On va papoter. Alors, là. Oui, je vais voir si je vous fais un autre rush après. Ou si je conclue tout de suite. Ou j'en ferai un petit pour vous présenter mes vidéos de... Encore, on va dire, à la fin de la semaine, à la limite, pour présenter mes colos, que... où j'en suis dans tous mes colos. Ouais, je vous ferai un petit rush vendredi, comme ça. Vous aurez la vidéo, bah voilà, comme ça. Vous aurez... saurez où j'en suis dans mes colos pour cette fin de semaine. Voilà, comment j'ai avancé cette semaine. Et voilà, et puis comme... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors bon, on va pas... Oui, alors là, je suis un peu fatiguée. J'ai posé mon après-midi, je vais vous raconter un petit peu. Je l'ai raconté en live. Samedi soir, j'étais aux 50 ans d'un pote, d'un ami. D'un ami de longue date. Et puis... J'étais dans la campagne de Romans-sur-Isère, qui est dans le... Romans, c'est pas très loin de Valence, à une vingtaine de kilomètres de Valence, à une vingtaine de kilomètres de chez moi aussi. Et puis samedi, eh ben on était... Alors, samedi, toute la journée, déjà vers chez moi, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Et après, là où on était, on n'a pas pu arriver par la route normale, par le chemin le plus rapide, parce que la maison, elle est dans une petite route de campagne, pas dans le village, entourée de bois, de tout. Et la route la plus directe d'habitude, elle a été coupée par des bois, des arbres qui sont tombés. Donc, on n'a pas pu arriver. Alors, quand il nous a annoncé que c'était coupé, il avait dit ceux qui peuvent, ben, ils ne peuvent annuler. Alors, c'était un anniversaire surprise, donc c'est pas lui qui nous disait directement, c'était ceux qui ont organisé. Mais bon, moi, je faisais du covoiturage avec d'autres potes, on était sur la route. On dit on y va, hein. On y va et tout. On avait prévu de repartir après le soir, hein, dans la soirée. Hein, Et il s'est trouvé qu'au moment où de repartir, on voulait repartir, vers 2 heures, l'autre route par où on est arrivé, il y avait aussi des arbres sur la route, donc impossible de sortir. Voilà, et on s'est retrouvé, on était une cinquantaine, dans la maison. Alors, ils ne pouvaient pas faire dormir 50 personnes chez eux. Hein. Donc, vous imaginez, on est resté, on a continué... Parce qu'il y avait encore à manger, à boire, on en continuait, à remettre de la musique, tout ça. Même si on était fatigué, personne... Tout le monde voulait rentrer parce que bon, beaucoup avaient des obligations le lendemain. On ne voulait pas non plus... C'était quand même plus de 2 heures, mais bon, là, on n'avait pas le choix. Donc, il fallait comprendre. Et puis, finalement, vers 6 heures du matin, les garçons... Moi, une bande de garçons qui étaient là, on va dire, ils étaient à peu près... Ils sont partis il y a 7 ou 8. Ils sont partis avec une tronçonneuse. Vers 6 heures, il y avait un petit peu de jour qui commençait à se pointer. Ils sont partis et sont allés d'un côté d'une route, sur une route, et ils sont allés dégager. Il n'y avait que trois arbres qui étaient au bord de la route, qui coupaient la route. Ils sont allés couper les arbres et dégager la route. Donc, le temps que ça se fasse, ils sont revenus vers 7 heures du matin. Donc, grosso modo, tant que tout ça, ben on est... moi je suis partie avec mes amis avec qui on est arrivé vers 7h15, 7h30, le temps d'arriver chez moi était 8h. Donc vous comprenez bien, après tout ça, j'ai fait une nuit blanche. Je me suis couchée vers... Je me suis allée me coucher vers 8h30. Après j'étais invitée à midi, donc je me suis relevée vers 11h. Après, ben voilà, je me suis couchée. Et après, j'ai pas voulu... je suis rentrée chez moi vers 15h. J'ai fait une micro-sieste, mais j'ai pas voulu trop dormir pour que je puisse dormir après la nuit. Là, du coup, voilà, j'ai fait une micro-sieste. Le soir, j'ai fait mon live.
Et puis voilà, donc après, lundi, il a fallu que j'aille travailler. Le matin, ça allait, mais l'après-midi, j'avais un peu des coups de pompe. C'est, voilà, c'était un peu difficile. Hier, et j'avais pas le choix, j'étais obligée d'aller. Au départ, je me suis dit, bon, tant pis, lundi, je m'étais dit, je vais prendre peut-être ma journée du mardi pour pouvoir récupérer. Parce que quand on vieillit, récupérer des nuits blanches, c'est plus comme quand on a 20 ans. C'est un peu plus dur. Et non, et puis mardi, je regardais mon agenda, j'avais plein, plein de rendez-vous, j'ai de réunions. Ah ouais. Mardi matin, j'étais 3 heures en formation. Et l'après-midi, j'étais voilà, en réunion de 2 heures à 17 heures. Donc voilà. Du coup, c'était un peu dur. Hier soir, j'étais un peu crevée. Et de ce fait, pareil ce matin, je ne pouvais pas poser ma matinée. Alors, j'étais en télétravail en théorie ce matin. Voilà, j'étais en télétravail en principe le mercredi. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre mercredi matin en télétravail et l'après-midi. J'ai posé mon après-midi. Du coup, là, j'ai. Quand j'ai fini, j'ai mangé vers midi, j'ai mangé assez rapidement. Et après, finalement, j'ai fait. À midi et demi, j'avais fini de manger. Et en gros, de 1 heure moins le quart à 2 heures, pratiquement, j'ai fait une sieste. Et je me dis, si j'ai. Voilà. Ça fait du bien. Et là, quand je suis sortie de ma sieste, je me dis, ouh, j'ai un vlog en cours. Alors, je me suis dit, on va faire une petite vidéo. En plus, comme ça, on profite de la lumière du jour. Ce qui est pas mal. Voilà. Là, vous me voyez. Alors, je sais pas quel effet ça fait violet. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Voilà. Voilà pour ce rush et moi je vais vous reprendre. Je pense que pour ce rush ça va être bon parce que voilà, j'ai un peu papoté, je vous ai montré des petites choses. Et puis, ah, je voulais aussi vous demander. Là, alors comme j'ai pris l'habitude, non pas vous demander, je vous indiquer que je vais pour mes lives, pour le moment je les fais les dimanches en fin de journée. Pour la partir de la fin du mois, on va changer d'heure, on va passer à l'heure d'été, les journées vont se rallonger et je me dis que avec les jours qui se rallongent, notamment le dimanche, les gens, ils ont raison, il fait beau et tout, ils vont prendre plus de temps, soit d'aller se promener, soit s'ils ont un jardin, de profiter de leur extérieur, peut-être à jardiner ou autre. Et que les lives en fin de journée, c'est peut-être pas toujours bien judicieux le dimanche. Du coup, je pense qu'à partir de courant avril, je sais pas quand, je verrai. Sachant qu'il y aura un ou deux dimanches, il n'y aura pas de live en plus. Parce qu'il y a le. Alors peut-être le dimanche de Pâques, je pourrais peut-être faire un live. Peut-être, je me dis. Après, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de monde, mais peut-être que je pourrais faire un live. Je verrai. Mais après, le week-end d'après, je ne pourrais pas vous en faire. Et donc après, je pense que je vais essayer de basculer. Tant pis, il y a des personnes qui font déjà. Il y a déjà Ago qui fait des lives ce jour-là. Mais bon, comme je dis, tous les soirs, il y a quelqu'un. Tous les jours, il y a un live. Donc, me dis maintenant, je ne vais pas m'interroger. Je crois que je vais tenter de faire des lives le samedi soir. Voilà. Alors, ça sera peut-être pas tous les samedis parce que si je suis pas disponible, pas de live, mais on va essayer de faire ça le samedi soir. Et si ça fonctionne, quand on basculera en heure d'hiver, je vais quand même garder le samedi soir. Voilà. Après, vous savez, pour mes lives, j'ai pas full, donc comme sur mes vidéos, donc si j'arrive à avoir une petite poignée, ça sera pas mal. Ceux qui étaient là le dimanche, vous verrez si vous pouvez me suivre hein, le samedi soir ou si déjà vous avez pris l'habitude de regarder d'autres lives, faites comme vous souhaitez. Et puis voilà. Et moi je vous dis, alors prochain rush, je vais voir combien de temps il dure ce vlog. S'il dure, pas, on va dire s'il dépasse le 3 quarts d'heure. Je ferai juste un rush pour vous montrer mes cols en cours.
Et s'il dépasse un... il se dépasse pas, s'il fait à peine 40 minutes, tout ça, je ferai peut-être un petit rush un peu plus long. Je verrai ce que j'ai à vous dire. À plus, à tout de suite. Je vous reprends enfin pour finir ce vlog qui traîne un peu dans le temps. J'ai pas toujours le temps pour vous reprendre. Nous sommes le mardi 19 mars, il est à peu près 9h30. Là, depuis hier soir, je suis en congé jusqu'à. Ben, je reprends lundi prochain. Donc, j'ai pas de grands projets pendant ces congés. J'ai plutôt des rendez-vous à gauche, à droite, des examens, des médicaux et tout. Mais rien de grave. Et voilà. Donc, je pense que j'ai en profité pour. Déjà, un premier temps, je vais faire un ménage de printemps chez moi, faire un peu du tri, et puis colorier, faire du DP, voilà. Essayer d'avancer, faire aussi. Alors là, le printemps, officiellement, c'est demain ou après-demain. Là, depuis ce week-end, on a un super temps. Donc, aussi, j'ai une terrasse, je vais remettre mes petites plantations, refaire quelques petites plantations. Je vais en profiter. Alors là, on va conclure le vlog parce que j'ai pas fait grand-chose depuis la dernière fois, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Du coup, je vais vous montrer mes colos en cours. Alors celui-là, il n'a toujours pas avancé depuis le dernier rush. Je pense pouvoir le finir dans la semaine quand même. Pendant le live, j'avais le live de dimanche. J'avais commencé ce colo. Donc pareil, c'est deux colos, le Tal des Mondes et tout ça, j'aimerais le finir dans la semaine. Pour vous voir, après, il ne restera plus qu'à finir à faire pour le mois d'avril dans les hors mystères les colos du challenge Zarbi Colo. Zarbi, voilà, Zarbi. Voilà, et après, alors je voulais. Alors j'ai fait aussi deux mystères. J'en ai fait un dans Trombinescope et j'en ai fait un dans le Évasion par un numéro. Et là, j'en avais un qui était dans ma liste, dans le Trompe-l'œil, tome 3. Mais ce livre, je l'ai acheté sur Vinted. Et j'avais oublié qu'il y avait toutes les premières pages. La personne qui me l'a vendu avait commencé à faire les traits noirs, on va dire, au crayon de couleur. Alors, c'est comme ça, voilà. Voilà, il y a des traits noirs, là, à gauche, à droite, mais au crayon de couleur. Je trouve pas ça super. Ce que j'ai commencé à faire, je les ai repassés au feutre noir pour que ce soit plus joli. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Alors, ça va jusqu'à la page 30, 32. 32. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout repasser en feutre. Et puis, je ne vais pas faire mon colo du mois là-dedans. Comme ça prend mine de rien un peu de temps. Même s'il n'y a pas des grosses zones, à force, bah, la multiplication de ces traits noirs, ça prend un peu de temps. Donc, je crois que je vais pas en faire un, puis par contre je vais en faire dans. Alors qu'est-ce que j'ai à faire dans le. Alors on va reprendre ma petite liste. Ma petite liste d'un pile à colorier. Dans les. Alors. Du coup, celui-là, je n'ai pas le. Voilà. Je l'ai marqué comme quoi c'est fait. Donc je vais en faire un après, voilà, dans le Tropique. Celui-là, je l'ai depuis le mois dernier. Je vais essayer de le faire. Trompe-l'œil, Heure Disney et page de pub. On va essayer de les faire parce que je pense que j'aurai Love Story carré. Le carré, pas les Love Story, le grand, je ne l'ai pas. Voilà, donc pour ce vlog, je vais terminer. Je vais en ouvrir un autre. Cette semaine, je devrais recevoir. J'ai fait une commande la semaine dernière. En fin de semaine, chez Craftelier. Longtemps que je n'avais pas fait de commande. J'ai commandé des tampons Distress. Que j'avais, que j'ai pas. Donc j'en ai pris quelques-uns pour tester. Et comme j'en ai profité d'être sur ce site, pour reprendre des paillettes et stickers, soit j'en ai qui arrivent un peu à la fin, ou prendre des couleurs complémentaires, voilà, que j'avais pas. Et puis donc quand ça arrivera, je vous les présenterai. Je vous ferai, parce que tout doucement, comme avec le beau temps qui arrive, je mets pratiquement plus de chauffage chez moi. Ma pièce, mon bureau officiel de colo qui est dans une chambre qui est au nord, que je me sers pas l'hiver parce que c'est difficile à chauffer. Mais tout doucement, je vais la réintégrer. J'ai vu samedi dernier en journée. Alors le soir, c'est un peu frais encore, mais en journée, il faisait bon. En ouvrant la fenêtre, j'ai pu un peu rentrer la chaleur. Ça commence à remonter, donc j'ai pu commencer à colorier. Donc tout doucement, je vais réintégrer mon bureau de colo.
Et du coup, je pense que je vous ferai aussi courant mars ou avril un petit room tour de mon bureau là-bas. Je vais tout le ranger, puis peut-être en profiter pendant ces vacances pour faire du tri, pour ranger et tout. Et comme ça, je vous ferai un petit room tour. Voilà. Donc pour ce vlog, c'est terminé. On se retrouve là, il va paraître. Après, je sais pas s'il y aura le bloc suivant qui va prendre la suite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer pour tourner. Ou sinon, ça va être votre vidéo. Ben, ça va arriver vite. Coloriage terminé du mois de mars. À plus, si ça vous a plu, mettez un pouce. Mettez des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois. Bisous, bisous.